C'est un plaisir pour nous, responsables politiques de la région de Saint-Louis, d'accueillir donc la Fédération nationale de la coalition Benno Bokk-Yaakaar ici à Saint-Louis, en perspective de la nuit de l'émergence qui sera organisée le 28 juillet au niveau de la place Federbe. Ce sera une manifestation qui regroupera l'ensemble des responsables de la région de Saint-Louis, des trois départements. Le département de Podor, celui de Dagana et le département de Saint-Louis, qui sera un moment d'échange entre les populations du Sénégal par rapport à tout ce que M. le Président de la République a eu à réaliser depuis 2012 jusqu'à maintenant et les perspectives qui s'y dégagent. C'est une démarche responsable puisque, comme vous le savez, le Président a vu la population lui confier les rênes de ces pays avec un contrat de mandature bien défini. Contrat à travers lequel tous les sectoriels ont eu à dépasser leur objectif de manière générale. C'est ça le sens de la responsabilité et, disons, la conscience en tant que telle. Comparé, par exemple, à nos amis de l'autre côté, qui n'ont rien à proposer, qui, pour moi, constituent une opposition coliche, si je peux m'exprimer ainsi en réalité, qui n'ont rien à proposer aux populations, parce que quand nous partageons un ensemble bien défini, je pense que même s'il y a des difficultés, il y a des moments où on peut s'asseoir autour d'une table et discuter pour faire avancer les choses. Mais c'est une opposition, en tout cas sans programme, une opposition sans ambition et une opposition de la rue, une opposition des minorités, en réalité. Ce qui nous importe, en tout cas, c'est faire en sorte que les populations qui vivent ce que le Président a réalisé à travers ses programmes, à travers le PUDC, à travers le programme PUMA, à travers tous les programmes développés par les sectoriels et pour lesquels les résultats sont visibles et palpables, que ces programmes-là, en termes de résultats, puissent être échangés et véhiculés à travers donc, toutes les couches de la population. C'est ça l'essence, en tout cas, de la rencontre qui aura lieu le 28 juillet et à travers lesquels, en tout cas, toutes les couches de la population des trois départements de la région de Saint-Louis, en tout cas, auront à apprécier positivement. Des partis de la coalition, que ce soit des mouvements de soutien qui sont dans la coalition Benno, nous sommes venus à Saint-Louis en éclaireur afin de préparer la nuit de l'émergence. Faisal Liguéyou, président de la République, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de montrer à la face du monde, de montrer en tout cas à la région de Saint-Louis les réalisations phares. Les réalisations de M. le Président de la République sont légion, mais nous allons donner un échantillon dans chaque secteur de ce que M. le Président de la République a réalisé depuis son accession à la magistrature suprême depuis 6 ans, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Voilà donc pourquoi nous sommes réunis ici à Saint-Louis. En même temps, nous allons échanger, encadrer les responsables de Saint-Louis qui ont en charge l'organisation de cette nuit que nous voulons, une nuit d'échange, une nuit de rencontre, une nuit de Faisal Liguéyou, président de la République. Nous allons donc échanger avec elle par rapport au format qui a été amélioré, fortement amélioré d'ailleurs, et on s'en réjouit. Voilà donc pour soi la raison pour laquelle les femmes de Benno, toutes les présidentes sans exception, des partis de la coalition, les présidents de mouvements sont toutes venues de Dakar avec nous pour la bonne cause. Nous avons le Benno qui est devenu un seul parti comme nous disons, un seul partout, le Benno. Un seul candidat, Monsieur le Président de la République Macky Sall, un seul objectif, le réélire au soir du 2019. Février 2019, au premier tour. Voilà. Vous savez, c'est une décision de justice. Je n'ai pas l'habitude de commenter des décisions de justice tant que l'épilogue n'est pas
arriver. Voilà. J'attends que l'on atteigne l'épilogue de cet épisode pour que je puisse me présenter. Vous avez une position par rapport à cette affaire, quand même? Non, je voulais. Vous savez, moi, je suis au gouvernement avec le président de la République. Alors, étant donné que les pouvoirs sont séparés, laissons la justice faire son travail et nous commenterons en temps opportun. Ce n'est pas encore le cas. Par rapport à votre, la nuit de l'excellence, de l'émergence, c'est ça? C'est ça. On va rebondir sur ce que disait le maire, bon, pour rester dans le contexte politique. Est-ce que ce sera une occasion peut-être de montrer ou de faire face à l'opposition qui est, comme l'a dit le maire, en train de gesticuler et de... Voilà. Vous l'avez dit, gesticuler. Gesticuler, c'est faire des gestes inutiles. Nous ne sommes pas dans la parole, dans la parlotte. Nous sommes dans l'action. Nous sommes là pour montrer aux populations, pour que nul n'en ignore ce que le président de la République a réalisé dans ce pays.